Kaedo avancer. Sans plus tarder, n'ap di Olivier, bonsoir. Bonsoir Rachel. Et m'ap salue tout le monde qui a regardé nous là, tous les spectateurs, tous les spectatrices qui avec nous aujourd'hui. OK, qui sont bonté pour nous aujourd'hui? On connaît son bagail de nouveau. Exactement. Mais Rachel va m'entrer dans et ça que me porter aujourd'hui, m'a continuer pour moi encourager mon yo et les mortgage et nous gagne ce programme dans là qui vraiment élargi pour tout le monde à partir de 1er juillet. Donc c'est le moment pour nous profiter de programme ça. Et bon, Clé a fait des bagages extraordinaires. Regardez que dans 2 semaines et demie pratiquement, nous closons en loan. Donc, il faut courir les nous pour nous commencer à faire consultation pour vous, parce que le prochain monde n'a pas assez. Donc, il y a besoin de faire introduction ça, parce que c'est important pour nous prendre note de ça qui est possible si vous entrez en contact avec nous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de un facteur qui est important en pile. Dans la vie en général, mais surtout pour les gens qui sont intéressés à bâtir des richesses, les gens qui sont intéressés à acheter des cailles, c'est question de crédit. C'est comment est-ce que, qui est erreur que nous supposons éviter de faire, le NAP bâtir le crédit. Parce que le crédit, ça, c'est un caille qu'on construit. C'est pas un éclairage, un matériau, un hauteur. C'est des étapes qu'on prend, c'est des actions qu'on prend avec le temps et puis les augmenter, les augmenter. Comme ça tout, si vous avez des erreurs que vous promettez, vous pouvez baisser, la baisser. Donc, je vous dis à là, nous allons regarder qui est l'erreur que nous remarquons, en plus de clients nous fait, et comment est-ce que vous-même, vous pouvez regarder nous là, vous pouvez profiter de ça pour vous-même vous corriger, pour l'heure ou pas, pour acheter quelque chose là, pour avoir une meilleure situation financière. Et c'est en Haïti, et je parle de bouton, c'est en Haïti comme si crédit pas pour mon monde. Oui, ça me dit là, mais ici, des fois, vivre ici, ça faut très éduqué sur ça, sur question crédit. Certainement. Bon, ici, nous tout connaissons déjà, et crédit, c'est comme un passeport lié, un passeport financier. Avant de garder qui information, pour garder nom, contrôle, etc., c'est crédit score là, je vais garder. Parce que crédit score là permet, historique, comment est-ce que tu es comporté avec l'autre loan que tu as gagné. Donc, si crédit score là, on score qui haut, ça veut dire que nous sommes responsables. Que ou sérieux, paye, ou sérieux, ou payer des droits, etc. Mais comme ça, tout ce score là-bas, il voulait dire ça, il voulait dire. Mais, je ne veux que nous allons, mais si toutefois ce score là est bas, et même si ce score là est en retour, il y a des actions qu'on a fait à partir de jeudi qui ont fait l'augmenter encore plus. Encore plus. Parce que ça, pour ne pas négliger, on a une différence dans le score, à permettre toujours un plus bon intérêt, un plus bon taux d'intérêt. Et taux d'intérêt à la longue, il faut économiser des dizaines et des dizaines de milliers de dollars à la longue. Et nous voilà les petits gens plus rapide et après-midi, parce que grand pile point pour nous moyens. Mais on va y l'MTA à vivre à Haïti, dans le monde t'a dit, on a déjà été allé à Haïti, il t'a dit, il a parlé de monde qui a vécu ici, il dit, tel va faire tel bagage, hein, crédit, monsieur, pas bon. Crédit, monsieur, pas même bon, même. On ne peut pas comprendre ça, il devait dire. Et puis c'est l'envini ici vraiment moins importance pour comporter bien ensemble avec crédit. Donc avant midi vous parlez qu'on est erreur pour pas faire pour qu'a faire moyenne dans question crédit. Dans question crédit. Effectivement, c'est ça. Alors comme temps fait nous la guerre, nous pas aller assez vite. Donc une n'a bagarre que nous marqué, il y a pas non ordre particulier. OK, c'est les erreurs que nous marqué, c'est pas premier, deuxième, mais n'a juste évoqué comme ça. Une erreur que nous marquons, c'est que nous n'avons pas monitoré ce qu'on crédit. Nous n'avons pas au courant de ce qu'on crédit. Et l'important, pour que vous connaissiez ce qu'on crédit ou gagne, ça qui ce qu'on crédit ou gagne, mais pas pour ce qu'on a seulement, non, mais pour regarder si pas de l'autre monde qui vole l'identité ou si pas de l'autre compte qui monte qu'on pas au courant. Donc, il y a des outils qui sont gratis, par exemple, le Credit Karma. Nous tout cas monter sous lui, nous font compte bien rapide et puis l'abgado grosso modo l'abdou mais qui compte qu'on gagne mais qui dette qu'on gagne et c'est toutefois nous avons un bagage qui pas correct là dedans faut que nous reporter ça à crédit à crédit bureau et il est important pour nous garder crédit nous parce que l'on pas garder yo des bagages qui a infiltré dans crédit nous et puis nous pas même au courant même et puis sont rendez à crédit va baisser donc pas laguer corps faut toujours monitorer crédit. Alors, l'autre erreur que nous marquons, c'est que, surtout pour les gens qui ont un crédit carte, lorsque vous avez un crédit carte, il faut que vous fassiez effort pour ne pas faire des paiements en retard. Paiement en retard, c'est lui-même qui a un plus gros impact sur le score crédit. Donc,
m'ka konnen ke, m'ka comprendre que bah la antigen difficile, moi ça ou gen l'autre priorité. Mais ça vle fè, ou vle au moins payer minimum qu'on supposé payer à l'heure supposé payer. Sou payer un jour après, ils font différence, hein, li baisse score. Mm-hmm. Sou payer l'un jour au moins que au moins pour moi ça ou payer minimum non, mais comme nous tout connaît déjà et chaque heure que nous avons payé, nous toujours font effort pour nous payer plus que minimum que nous demandé. Mais si vous n'êtes pas en mesure de payer plus que minimum, non, au moins faire effort, payer minimum non, à l'heure. Mm-hmm. OK? Maintenant, l'autre chose que nous remarquons, c'est que les gens qui ont une limite de crédit $1,000, OK? Les gens qui arrivent, ils ont 800, ils ont $900, ils ont maximisé, ils ont tout $1,000. Ça, c'est un gros erreur, c'est un erreur capital qu'on voulait éviter de faire. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, crédit a lié d'eau, monter score là tout, mais si vous faites des mauvaises actions tout, la baisser score. Et leur maximiser, leur prendre toute limite crédit qu'on gagne comme ça, li baisser score. En général, et lender yo, institution financière yo, remè wè, on utilisation autour de 30% de crédit. C'est-à-dire, si vous avez une limite crédit $1,000, debout on va arriver dans 300, on commence à freiner. 250, 280, on commence à teke fran. OK, ou payer ou baisser le pour faire l'autre crédit sou. Parce que ça montre moun nan qu'on son moun ki responsable, ou pas courir dépenser toute limite qu'on gagne ou faire de manière réfléchie et planifiée. Maintenant, l'autre ça qui gagne et ou connaît que on a facteur qui aide dans augmenter crédit ou c'est nombre de temps qu'on gagne avec un compte. Donc, et en général, quand pile dans nous, nous te premier ticket de code nous, c'est avec nous te commencer faire première expérience. Et ben grand pile monde qui remarqué depuis elle fait mes crédit code ça, score la baissé. Effectivement, ça qui fait score la baissé, c'est parce que c'est code ça qui t'a aidé ou bâti son historique assez long. OK, on dit que ou gagne 10 ans compte là. Donc, l'on retire quand là, qu'on est à la dernière quand après 10 ans, son quand qu'on ouvre, il y a 5 ans de ça. Et bien, ça a montré que ça a réduit l'historique de crédit qu'on gagne. Donc, ça a son erreur pour pas faire, toi, vous voulez payer quand là. Pour quand là, pas de balance sous lui, mon pape fait mes comptes là. Vous voulez quitter compte en vie, et de temps en temps, on fait tes achats sous lui. Mais l'essentiel, c'est que vous quittez compte là en vie ou pas faire mal. Parce que faire mal là, a gain incidence sous crédit score ou la baisser crédit score. Donc pas juste fermer donc continuer ensemble c'est ça concerne c'est un conseil à zéro recommencer là c'est comme si ça à zéro recommencer ou effacer l'historique ou pas veut faire ça ou veut réduire ou pas veut gain balance sous ou veut quitter la zéro mais ou pas veut et fermer compte là OK maintenant et dernier conseil que m'a bail et bon avant dernier parce que toujours un conseil spécial OK c'est éviter faire trop et ouvrir en pile compte en même temps ou sont de manière trop courante. Alors ça pour connait c'est que chaque temps à l'appliquer pour un credit card, chaque temps appliqué pour un loan, bon hit sous crédit. Donc lender ka wè que ah mais mon nan mandé mais Rachel là, Rachel essayé mandé crédit nan Walmart par exemple. OK? Et puis deux jours après, connait Rachel à la Macy's, la laisser ouvrir carte de crédit dans Macy's. Une semaine après, Rachel a laissé ouvrir carte dans Best Buy. OK? Donc là nous pas regarder nous pas voir que 4 dans espace de 1 mois 2 mois mon essayer ouvrir des cartes de crédit 5 10 comptes différents les parents bagage qui est intéressant lui montrer que ou pas un monde qui est responsable ou son monde qui ont déjà ouvrir carte de manière fofolle de manière impulsive c'est pas ça le fait là que ouvrent carte ouvrent temps en petit temps en général toujours recommander 3 mois, 6 mois, et même plus, sont capables, si vous n'avez pas d'urgence, ou pas supposé à payer ouvrir des lignes de crédit, des cartes de crédit, comme ça. Donc, il faut connaître que l'on ouvre de manière trop fréquente, dans le temps qui est trop rapproché, il y a une incidence sur le compte et il y a baissé. Maintenant, dernier conseil que je vais donner, c'est que faut que nous parlions avec des professionnels. Parce que nous toutes là, situation financière nous différente. Ça qui marche pour Olivier, pas marche pour Rachel et vice versa. Donc c'est ça qui fait l'important. Pour relever le numéro de téléphone m'a pas en bas écran ou relever le bureau, hein, c'est même nous-mêmes. Donc pour nous faire une consultation gratis pour vous, ou pas payer rien pour ça. On a regardé comment la situation financière vous est et on a regardé à qui aptitude pour ka acheter ka et qu'on va chercher. OK? Donc c'était tout pour moi. Mille merci Olivier. Avec espoir que parole qu'on dit là yo entrer
yo tombe dans bonne terre. OK? Parce que grand pile bagay ou di la gen en pile moun ki pa te konnen yo. Tan kou premier sou so di an suivre score là au courant, faut au courant. Au courant, faut ap suivre li. Faut ap suivre li. Donc suivre li non seulement beaucoup nan ki etat kouye, OK? Mais pour wè tout si pa gen kek malveyan ki c'est ça. Qui... Alors sou pa maintenant Rachel et aux États-Unis, nous tout connaît c'est pour secret li, gon bagay kre lo et identity theft. Identity theft là c'est le monde qui assume l'identité pauvre. Donc, ils joignent information, ils joignent des détails de eux-mêmes. Et puis, mon allez sous nom, ils ouvrent un compte de crédit, ils prennent un loan. Ça arrive chaque jour. Il faut nous prendre pile précaution. Maintenant, un moyen pour éviter ça, ou un moyen pour être en courant ça au plus vite, c'est que vous monitorez et crédit. Et vous devez même mettre des alarmes sur Crédit Karma, par exemple. Le bon bagay nou vous monter sous compte ou pas au courant la voile pour regarder si c'est ou très bien mais si son bagay ko pas reconnaître le conseil va gétant prendre action et ou limiter dégâts exactement donc c'est ça nous t'est toujours conduit dans émission Kelly Mortgage Show ou va joindre bagay pour grandir financièrement et pour finir par acheter car c'est pas pour grand merci nous faire émission juste pour nous habiller maquiller venir faire show off belle Joanne belle Rachel belle Olivier non mais c'est pour futur, ok? Parce que pour grandir, faut gagner connaissance pour ça. Pas négliger, demander monde qui connaît conseil. Nous là pour vous, relayez nous n'importe qui le, nous là gratis pour bon information que cap bon pour la vie. Et c'est comme ça qu'on a mis un terme dans l'émission. Je crois que Olivier a tout dit. Vous avez des conseils bonus là. Et ben moi-même, faut me dire nous au revoir. Et moi, je suis toujours là pour vous. Moi, c'est avant tout. Et m pa bay numéro téléphone moi et dans émission mais de vous t'a besoin tout pour l'ISCA surtout ou pa brenn même numéro qui sur écran c'est même nous même même équipe là et son a dit bonsoir à la prochaine Kembe FM. Good afternoon, the realty, how may I help you? Le ou besoin vendre yon kay, c'est pas courir les n'importe agent real estate pour vendre kay ou dans condition as is. Qui donc sawe a c'est ça. Non, de préférence réparer kay ou avant vendre ni ou faire plus comme. Si ou besoin prêter 10 000, 15 000, 20 000 pour faire réparation, rele Léo Realty dans 786-306-0390. Léo Paul Evaris a prêté comme pour réparer kay la et vendre ni pour vous. La charge seulement 2%. Rele 786-306-0390. 90.